Et donc, c'est la façon pour nous de maintenir nos services gratuits. Puis moi, je pense que c'est important. Jean avait voulu faire une ligne de soutien. Tu sais, écoute, on a au-delà de 100 000 visites par mois sur notre site web. On a une ligne de soutien qui répond aux patients. Tu sais, surtout dans le temps de COVID, c'était difficile. Il n'y a pas nécessairement les services offerts par les médecins. Puis les dons, c'est ça que ça sert. Tu sais, ça sert à maintenir ces services-là. Nous, on n'a pas coupé aucun service, malgré qu'on n'avait pas les mêmes revenus. On n'a pas coupé les services. Donc, les gens qui ont donné, ils nous permettent de maintenir nos services pour les hommes qui souffrent du cancer de la prostate et leur famille. Comme juste un grand merci là, de nous soutenir dans cette cause-là. Bonsoir. Je me présente Laurent Proulx, PDG de Procure. Je suis ravi de vous accueillir pour cette cérémonie de clôture, cette 11e édition du Tour du Courage Procure. Je me rappelle, il y a 10 ans, on a conçu ce tour-là avec ma conjointe, mes enfants. Et c'était un événement qui avait au-delà de 100 participants sur 2 jours. Il y a une couple d'années, on a fait ça au Mont-Royal sur une matinée, pardon. Et maintenant, le Tour du Courage a eu lieu pendant les 30 jours du mois de septembre. Alors, vous étiez plus de 105 participants à parcourir, rouler sur les routes du Québec et à vous engager à soutenir cette cause qui est la cause du cancer de prostate. Vous avez réussi à atteindre plus de 1 500 donateurs. Quand on sait que ça prend probablement 20 contacts avant d'avoir un don, on peut parler d'environ 30 000 personnes qui ont été sensibilisées par la cause du cancer de la prostate. Alors, c'est une belle campagne de sensibilisation que vous avez faite et on vous en remercie. Grâce à notre nouvelle application Procure Ride App, on a pu cumuler les kilomètres que vous avez faits au cours du mois de septembre. Et on a totalisé 17 826 kilomètres pour la lutte contre le cancer de la prostate. Alors, ça représente 17 826 hommes à lesquels on a rendu hommage. Et on tient à vous dire merci pour ces hommes-là. C'est au-delà, quand on sait qu'il y a au-delà de 4 300 hommes par année qui sont diagnostiqués d'un cancer de la prostate, c'est au-delà de 4 ans d'hommage à ces hommes qui ont été diagnostiqués. Encore une fois, merci et bravo. Je tiens également à remercier nos partenaires, Astellas, Darosa, Biemé, Janssen, Cogeco Media, Kiliko et Vélomag. Sans leur contribution, cette édition n'aurait pas été possible. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Anthony, qui va faire le décompte des prix de la soirée que nous avons à remettre. Anthony? Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup, Laurent. Bonsoir à tous. Donc, bonsoir à tous les participants qui sont connectés. Merci encore pour tous les efforts qui ont été déployés durant ce mois de septembre, aussi bien en kilomètres qu'en dollars. Merci énormément. Donc, on va passer à la remise des prix. On va commencer avec le maillot jaune. Le maillot jaune, tout le monde le connaît, c'est le maillot le plus emblématique autour de France qui célèbre la performance sportive chez Procure. Le maillot jaune est remis à la performance en dollars, donc à la plus grande levée de fonds. Et cette année, pour la deuxième année de suite, le maillot jaune est remis à Sylvain Mathieu de l'équipe des Évadés, qui a réussi à cumuler cette année 11 135 dollars et qui a cumulé depuis sa première participation il y a 6 ans 59 445 dollars. Waouh, wow, merci beaucoup, Sylvain. Bravo, Sylvain. Je pense que tu es avec nous ce soir, Sylvain. Oui, merci énormément. Je suis là.
Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'être avec vous et de faire partie de ce bel événement-là. Ça fait depuis 6 ans qu'on est là. Un nouveau maillot jaune à mettre à ta collection. Donc, je pense que tu es en route vers la Gaspésie en ce moment. Non, je suis sur le chemin du retour. OK, bon. Donc, merci beaucoup énormément à toi, Sylvain. Ça me fait plaisir. Puis, on va être là encore avec des amis comme Luc, puis Laurent, puis Michel Beaulieu. Ces gens-là, c'est facile de faire des choses avec ces gens-là. Félicitations, Sylvain, d'avoir réussi à rejoindre un grand nombre de donateurs comme tu as fait. Je pense que c'est une belle campagne. Puis de plus de 59 000 $ au cours des 6 dernières années, c'est vraiment, vraiment un exploit. Merci beaucoup, Sylvain. Bon, ça me fait plaisir, puis je suis vraiment content aussi de l'avoir fait. Merci Sylvain. Donc, on va pas oublier de souligner quand même les autres plus importants leveurs de fonds pour cette 11e édition. Merci Luc Janson, donc le capitaine des évadés, 7490 $ d'amassés. Merci à Jean de l'équipe des évadés également, 7180 $ d'amassés. Puis la lutte a été chaude jusqu'au dernier moment entre les deux. Merci Jean-François Michaud de l'équipe des Wheels of Justice, 5540 $ d'amassés. Et enfin, merci Alan McIntosh qui est en cinquième position avec 4571 $ d'amassés. On pourrait citer les 105 participants parce que chaque dollar amassé compte, bien entendu. Donc, merci beaucoup à tous pour vos levées de fonds individuelles. On va passer maintenant au deuxième prix. Le deuxième prix qui honore la meilleure équipe en termes de levée de fonds. Ce trophée s'appelle la Coupe du Courage, puis est remis depuis 11 ans maintenant. Et pour la troisième année de suite, ce trophée va revenir à l'équipe Les Évadés l'Empreinte. Les Évadés l'Empreinte qui ont amassé depuis le début de leur participation 277 805 $. Et on a leur capitaine avec nous, Luc Janson, je pense. Luc, es-tu là? Oui, je suis là, vous m'entendez? On t'entend très bien. Merci énormément, okay, Luc. Ben ouais, ben en fait, écoutez, si je peux me permettre un petit mot. Ben merci aux organisateurs du tour. Je veux remercier sincèrement les membres de mon équipe qui ont fait la différence. En fait, on ne s'est pas laissé vraiment intimider par le contexte actuel en pensant que ça serait plus difficile. On a dit, garde, on va faire ce qu'on a à faire. Puis on a organisé nos choses. Puis on est content des résultats aujourd'hui. Je dois aussi souligner et féliciter, remercier nos 300 donateurs. On a réussi à sensibiliser. Ça, c'est un objectif important pour nous de sensibiliser les gens à la cause dans notre environnement. Fait que nos 300 donateurs, un gros, gros merci. Je veux remercier aussi les gens de notre division de Québec, les Évadés Québec, qui ont fait aussi un bon travail pour leur première année. Fait que je pense que ça inaugure bien pour les prochaines années. Je veux remercier Paul et Luc Gosselin de leur participation avec l'équipe des Évadés. Fait que qu'est-ce que je peux dire de plus? Sinon, un gros merci vraiment à tous ceux que depuis toutes ces années-là, c'est notre 8e année. Puis je veux remercier aussi, on oublie souvent les gens qui ont passé avant nous, avant moi. Merci parce que depuis qu'en fait on est engagé dans la cause 8 ans, je pense qu'on a tout le temps donné une belle performance au niveau de sensibilisation dans notre réseau pour la cause de Procure. Puis je veux remercier ces gens-là aussi qui ont passé avec nous puis qui nous ont permis d'avoir du succès dans l'événement du tour. Luc, c'est Laurent. Tu fais bien de le souligner. 300 donateurs, c'est vraiment ça la mission de cette campagne-là, du Tour du Courage, c'est de sensibiliser la population et votre équipe réussit admirablement bien à faire relever ce défi-là. Alors, au nom de Procure, on tient à te remercier et encore une fois, félicitations pour la Coupe du Courage. Merci beaucoup. Fait que, la garde sur mon côté. Il va juste rester à la mettre à jour des 4 dernières années. Je pense qu'il manque les identifications. Fait qu'on pourra se reparler là-dessus en tenant avec grand plaisir. On va les faire imprimer chez vous. Ah, bien, vous êtes bienvenue, comme à l'habitude. Exactement. Merci beaucoup. Merci encore énormément, Luc. Donc, pas de problème pour les plaques. Hein. Tu sais qu'on va te la laisser encore 10 ans, puis on fera ça dans 10 ans. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Donc, on va passer au troisième prix. Le troisième prix, en fait, récompense le meilleur esprit d'équipe
parmi toutes les équipes. Tony, peut-être revenir une étape en arrière. J'aimerais ça peut-être qu'on souligne les performances des autres équipes qui étaient au classement général. Oui, bien sûr, oui. Donc, on peut passer à travers les top 10, c'est le meilleur classement des différentes équipes. Donc, les évadés, on en a parlé, les évadés l'empreinte avec 37 390 $ d'amassé et 277 000 au cumulatif. Une nouvelle équipe qui s'est joint à nous cette année, Desjardins Capital, avec leur super capitaine Louis Potvin, qui ont amassé 17 940 $ pour une première année. C'est vraiment incroyable. Et on a ajouté ici les années antérieures de fait que Louis était capitaine, qui totalise au-delà de 116 000 $ là. Exact. Donc, je vous laisse, vous avez tous les chiffres sous les yeux. Je vais passer les différentes équipes. Donc, Wheels of Justice avec leur capitaine Jean-François Michaud, 17 570 $. Les Déchaînés avec Pierre Marin, 10 395 $. Sautramont Novabrick avec Simon Gauthier comme capitaine, 8 421 $. Cyclopro Papy, René Lehoux avec 7 409 $. Les Rafales avec capitaine Jean-Marc Fior. Les Rafales, c'est une équipe qui s'est engagée pendant le Salon du Vélo, qui a tenu toutes ses promesses et qui est, 9 mois après le Salon du Vélo, est toujours présente et a réussi à amasser près de 7 000 $. Donc, merci beaucoup aux quatre participants des Rafales. Nawar Rana, qui a dirigé l'équipe de urologie HMR avec 5 225 $ d'amassé. Uro LNG avec Carl-Simon Valiquette avec 4 415 $ amassé. Tisseur, l'équipe de Gabriel Bélanger, 4 075 $ d'amassé. Les plus fidèles également, Jean-François Julien, 3 540 $ d'amassé avec l'équipe Protégeons nos arrières. Et enfin, Marc Montreuil, qui a eu une équipe, qui était tout seul dans son équipe et qui a quand même réussi à amasser 3 277 $. Donc, merci. On pourrait passer encore une fois toutes les équipes, mais on n'a pas toute la soirée. Mais merci également beaucoup, beaucoup à toutes les équipes. Donc, on va enchaîner avec le troisième prix. Donc, le troisième prix, c'est le meilleur esprit d'équipe. Donc, encore là, toutes les équipes auraient pu gagner, comme je le disais. Ce prix récompense le meilleur état d'esprit, les meilleurs sourires, la meilleure entraide, les plus beaux parcours qui se sont faits, les meilleurs échanges durant le mois de septembre. C'était un mois assez spécial pour nous. Il a fallu choisir une équipe parmi toutes celles-ci. Puis cette équipe et le comité a choisi l'équipe de Desjardins Capital avec 8 membres dans son équipe, une nouvelle équipe qui a été engagée cette année. Et chaque membre de cette équipe va recevoir une carte cadeau de 50 $ chez Bicycle Kiliko. Donc, merci beaucoup à tous les membres de l'équipe. Je pense que Louis Potvin, le capitaine de l'équipe, est avec nous ce soir. Louis, est-ce que tu es là? Es-tu parmi nous, Louis? Allô? Louis? On t'entend, Louis. Ah, bonjour. Bien, on est très contents. Merci beaucoup. Ça a été une belle levée de fonds, encore une fois, avec le contexte actuel pour la COVID, compte tenu de la COVID. Mais je peux vous dire, on est très contents chez Desjardins Capital d'avoir gagné. C'était très, très mobilisateur jusqu'à aujourd'hui. J'avais encore des participants qui disaient « il manque quelques kilomètres ». Alors, on a vraiment pris ça au sérieux. Puis, écoutez, ça fait plusieurs années qu'on est associés à la cause. Puis on va continuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Louis. Merci à toute ton équipe. Et un salut spécial à Caroline qui a eu un petit accident pendant ce tour du courage qui s'en est bien remis, je pense, mais on n'aime pas ça. Donc, merci beaucoup, Louis. On va passer aux ambassadeurs du tour maintenant. Qu'est-ce qu'un ambassadeur du tour du courage? C'est un participant qui a participé plus de 7 fois au tour du courage. Et comment on honore un ambassadeur pour les nouveaux, comment on honore un ambassadeur chez Procure? On lui remet un jersey spécial, je ne sais pas si vous le voyez, un jersey spécial avec la mention d'ambassadeur. Donc, les personnes que je vais citer prochainement vont recevoir par courrier ce jersey-là
spécifiques. Et on va commencer avec ceux qui sont nouvellement ambassadeurs. On va commencer avec les 7 ans et plus. Donc, parmi les 7 ans, les nouveaux ambassadeurs, Jocelyn Bollac, Marc Bonin, José Garneau. Bienvenue, José, la seule femme parmi les ambassadeurs. Robert Laforêt, Michel Simard et Harold Stotland. Merci beaucoup à vous de devenir ambassadeur et on espère vous compter encore pour de longues années parmi nous. Dans les 8 ans, Michel Beaulieu, René Branchaud, Martin Cloître, Luc Janson, Alan McIntosh et Vincent Mire. Merci beaucoup à tous les 6. Dans les 9 ans, Jean-Pierre Langlois et Louis Potvin, qu'on vient d'entendre. Dans les 10 ans, Gilles Dionne, Peter Kalikman, René Lehoux et Pierre Marin. Merci beaucoup. Et on en compte qui ont participé aux 11 éditions. Donc là, c'est très, très, très fidèle des fidèles. Donc, David Collier, Simon Gauthier, Jean-François Michaud, Marc-André Roy, Carl-Simon Valiquette et bien sûr, Laurent Proulx qui a inventé et créé le Tour du Courage. Donc, merci énormément à toi, José, de faire partie des nouveaux ambassadeurs de Procure et aux 23 hommes qui t'accompagnent et qui nous supportent à chaque année. Donc, merci beaucoup. Il est l'heure maintenant de vous faire parler. J'ai trop parlé, je vais vous faire parler un peu. Ouais, Louis-François vient de se joindre à nous. Alors, j'aimerais ça peut-être que Louis-François puisse nous dire quelques mots. Le président d'honneur de la Tour du Courage 2020. Louis-François, est-ce que tu es là? Je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Alors, Louis-François, t'es dit, on t'entend. Là, on t'entend plus. Juste une minute. Là, on t'entend pas. Le micro, je pense qu'il est off. Alors, bonsoir, Jean-François. Est-ce que tu nous entends? Oui, tu nous entends. Bonsoir. Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. C'est bon. La magie du virtuel, hein? Le virtuel, on s'adapte au virtuel, en fait. On n'a pas le choix, c'est ça. Non, on n'a pas le choix. Écoutez, désolé pour le petit délai. J'étais à dire que pour moi, le poker, c'était très touchant dans les dernières années parce que, comme j'aime raconter l'histoire un peu par mon oncle Louis, qui est le plus jeune frère de mon père, on a été touchés directement. Il en est passé au travers, donc c'est un jeune oncle chez moi. Et puis, ça a été une épreuve familiale qui a été quand même... plus éprouvante que je le croyais, puis ça nous touche tous. Donc, c'était une année qui a été charnière par le rôle du papa dans tout ça. Donc, pour moi, j'étais touché directement ayant des enfants maintenant. Et puis, quand vous m'avez demandé de d'être pour vous, pas l'ambassadeur, mais la tête d'affiche pour le mois, ça me plaisait beaucoup parce que je fais beaucoup de vélo en partant. Donc, c'était facile pour moi de le faire. Et puis, j'ai pu d'aller en pensant à vous pas mal en septembre. Pas assez parce que j'ai beaucoup trop travaillé, mais j'aurais aimé pédaler encore un peu plus. Et donc, l'année prochaine sera pour moi une année de vélo en septembre, encore une fois, tout à votre honneur. Merci, Louis-François. C'était vraiment intéressant que tu puisses te joindre à nous. Puis, effectivement, on a un point en commun, c'est que ton oncle, je lui ai déjà montré, j'ai enseigné la natation. Fait que je suis content de te dire... T'entends dire que c'est ton jeune oncle. C'est à ton honneur aussi. Merci Jean-François. Louis-François, excuse-moi. Louis-François. Maintenant, on passe au... je pense que c'est la parole aux participants, Anthony. Exact, on va passer la parole aux participants. Puis j'aimerais donner la parole à un des participants. Vous pouvez lever la main. Vous avez dans votre barre en bas... la possibilité de lever la main et de prendre la parole pour raconter votre expérience. Je vais commencer par donner la parole à un participant qui participe à son premier tour cette année, qui a levé près de 2 000 $ et qui a fait le tour du Québec à vélo avec plus de 1 000 km parcourus et qui a même eu les honneurs de la presse régionale cette semaine. Louis Papillon, es-tu avec nous? Oui, bonjour. Bonjour Louis. Merci beaucoup pour ta participation cette année. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton expérience, puis pourquoi le support à Procure? Oui, bien, écoutez, moi, c'est parti tout d'abord d'une annonce que j'ai vue dans le magazine Vélomag. J'avais vu l'annonce du tour qui avait été faite. Et puis, à chaque année, j'essaie de m'associer à une cause qui lie l'activité physique
un domaine médical ou un domaine social. Puis cette année, avec la pandémie, bien, les activités auxquelles je participais habituellement avaient été annulées. Alors, quand j'ai vu cette occasion-là, bon, je suis quelqu'un qui aime bien faire du vélo en partant. Alors, je me suis dit que c'était une belle occasion de le faire. Et puis, au départ, je voulais faire un voyage de cyclotourisme pour mes vacances cet été, faire un 500 km que j'ai fait dans la dernière semaine du mois d'août intensif pendant une vacance. Puis là, j'ai réalisé que j'étais inscrit au tour et que le kilométrage commençait le 1er septembre. Alors, je me suis redonné un nouveau défi. J'ai dit, bon, ben là, ça va être aller faire le kilométrage en septembre pendant les fins de semaine avec le boulot sur semaine. Et puis, au fur et à mesure que j'avançais dans le défi puis que j'en parlais autour des gens autour de moi, j'étais vraiment estomaqué de voir le nombre de personnes qui sont touchées par cette maladie-là, qui ont des proches qui ont été victimes du cancer de la prostate. Puis là, j'ai été pris dans une espèce d'effet d'engouement avec plein de gens qui se joignaient à la campagne. Moi, j'habite dans une petite ville qui est Sorel-Tracy. Alors, il y a cet aspect communautaire-là où le maire de la ville a embarqué, le député régional Jean-Bernard Raymond a embarqué. Mes collègues de travail chez GE Énergie Renouvelable m'ont supporté. Puis petit à petit, comme il y avait une bonne participation, j'ai augmenté les objectifs. Alors, je suis passé de 360 km à faire en quatre fins de semaine à 1000 km à faire en quatre fins de semaine que j'ai atteint. Et j'étais bien heureux d'atteindre car, au-delà de l'objectif pour Procure, pour moi, c'était quand même beaucoup aussi. Je ne suis pas quelqu'un qui roule si régulièrement que ça. Et je dois dire que le fait de savoir qu'on appuie une cause comme ça, ça donne une espèce de motivation extraordinaire. Alors, je suis bien heureux d'avoir pu contribuer pour cette première année. Grand merci. Merci beaucoup, Louis. C'est une belle histoire. On espère te compter parmi nous en 2021. Assurément. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, j'aimerais mettre en lumière un autre participant qui participe au Tour depuis 10 ans, pour sa 10e année, René Lehoux. Es-tu parmi nous? Bien sûr. J'espère que vous m'entendez bien. René, on t'entend parfaitement. Toi, raconte-nous un peu ton histoire avec le Tour, puis avec Procure. En fait, dans mon cas, moi, c'est mon fils en fait, qui m'a amené à Procure. Mais par là, 10 ans, en fait. Donc, c'est via mon fils que qui est très, en fait, impliqué dans différentes causes sociales. Et par la suite, en fait, mon beau-père, en fait, a été affecté par le cancer de la prostate. Et là, ça a bien été pendant un bon bout de temps, mais disons que depuis quelques temps, ben, là, mon beau-père, il y a des récidives et ça va moins bien. Et cette année, en fait, en l'honneur de mon beau-père qui est atteint par cette maladie-là, qui malheureusement, en fait, on voit les derniers jours point à l'horizon, ben, on a décidé, en fait, de le nommer notre capitaine honoraire. Et chaque coup de pédale que j'ai donné cette année, ben, je l'avais lui, en fait, dans ma tête. Puis je me disais, ben, si avec ma petite contribution à moi, avec les fonds qu'on ramasse, avec la sensibilisation qu'on fait, on peut prévenir, en fait, des cas comme papy, comme on appelle chez nous, la mission sera accomplie. Alors, c'était un peu mon histoire, surtout cette année, si on veut, qui est un peu plus émotive que les années précédentes. Il ne faut pas se rappeler, il ne faut pas oublier, en fait, qu'on fait ça surtout pour la cause. On est tous des amateurs de vélo, ça va, mais on fait ça pour la cause. Alors, de sensibiliser, ramasser des fonds, c'est ce qui est le plus important, si on veut. Et très fier de faire partie de l'équipe depuis tant d'années. Merci à Laurent et merci à tous ceux qui, merci, René, qui c'est font très, que ce tour existe. Très apprécié. Merci beaucoup, René. Je pense qu'il y a une main qui s'est levée. On va donner la parole à Jean-François. Jean-François Michaud, es-tu là? Son micro est fermé. Jean-François, vous trouvez ton micro? Est-ce que c'est Jean-François Julien qu'on parle? Oui, oui. Non, alors, est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. Très bien. Alors, désolé, je suis toujours un peu à relever le défi de la technologie. Alors, ben, écoutez, moi, je voulais simplement mentionner pour le bénéfice de tous là, que c'est ma 11e année que je participe au tour, mais ce que je voulais souligner,
c'était les efforts et la qualité de l'organisation que Laurent, tu pilotes depuis le début. Puis, tu as réussi à t'entourer d'une excellente équipe avec Anthony. Puis, une des raisons pour lesquelles on est de retour année après année, justement, c'est en raison de la qualité de l'organisation. C'est non seulement la cause et le mérite, mais vous rendez le défi agréable, stimulant. Et puis, ça facilite de grandement aussi la levée de fonds. Alors, donc, de mon côté, je voulais souligner votre très grande contribution. Et si on est de retour année après année, bien c'est grâce à votre implication. Alors, je vous remercie. Puis, si vous continuez de mener la charge, bien, on va toujours être là pour vous appuyer, c'est certain. Grand merci, Jean-François. Grand merci. Un plaisir. Merci. Merci, Jean-François. Salut ton père. Oui, je ne manquerai pas. Mon père qui était un membre du conseil d'administration de Procure il y a quelques années. Exact. Merci, Jean-François. Est-ce que d'autres participants voudraient échanger avec nous? Je ne vois pas de main levée. Vous pouvez toujours le faire à tout moment. On va maintenant, c'est le moment tant attendu par beaucoup, on va annoncer le gagnant du vélo De Rosa. Je vais accueillir avec nous Léo. Léo qui est dirigeant de la compagnie Logica Sport, qui ont une multitude de marques, dont De Rosa. Biémé, qui sont les jerseys que vous avez portés cette année, que vous avez beaucoup apprécié. On a eu que des bons commentaires. Et donc, De Rosa nous a offert cette année un vélo que vous pouvez voir ici même, derrière Léo, d'une valeur de 3 000 $. Donc, merci énormément, Léo, de votre implication chez Logica. C'est vraiment super apprécié d'avoir du soutien corporatif. Donc, merci Léo, puis je te laisse un peu la parole pour nous parler du vélo. Oui, mais avant tout, bonsoir tout le monde. J'aimerais remercier Anthony, Laurent et Procure de nous avoir choisis comme partenaire technique pour De Rosa et pour BME. On est très heureux de faire partie de cette cause. J'aimerais aussi féliciter tous les cyclistes qui ont participé au défi durant le mois de septembre. Et au nom de Logica Sport, je suis fier de vous présenter le vélo De Rosa d'une valeur de 3 000 $ au heureux gagnant. J'imagine qu'on va faire le tirage dans quelques minutes. Alors, ça, c'est le De Rosa. Le modèle, c'est le modèle Nick. Un peu difficile de vous le montrer, mais on va essayer de... Alors, c'est un vélo en fibre de carbone. La marque De Rosa est née dans les années 1953. C'était quand même un vélo de marque prestigieux. Et c'est ça. Alors, je vous souhaite tous bonne chance. Merci, merci. Merci énormément, Léo. Donc, Louis-François, ou s'il est encore là, ou Laurent, je vous laisse annoncer le grand gagnant du tirage qui a eu lieu à midi, comme prévu. À vous la parole. François, est-ce que tu m'entends bien? Oui. Très bien. Moi, je t'entends pas, là. T'entends. François, est-ce que tu es là? Oui, on entend bien. Allô. Et François. Je pense qu'il nous entend pas. On va passer à la prochaine. On va dévoiler gagnant. Alors, le gagnant du vélo. Oui. Est-ce qu'on est prêt? On est prêt. Le seul à mal t'entendre, mais... Est-ce que vous m'entendez bien? Allô? Non, on t'entend mal. Est-ce que moi, on m'entend bien, Myriam? En régie? Moi, on m'entend bien. Laurent, je pense qu'on te perdait. C'était un peu brouillé, donc je vais prendre l'honneur d'annoncer le gagnant.
Et donc, le gagnant du vélo est René Lehoux. Félicitations beaucoup, René. On te retrouve, Laurent, c'est bon. Ah, vous m'entendez maintenant? C'est bon. Ouais, parfait. Bravo à René, qui est le grand gagnant du vélo qui est offert par la compagnie. Alors, René a amassé 38 billets pour gagner le vélo, dont 30 étaient par son inscription active et 8 pour les 2675 $ qu'il a ramassé. Donc, il y avait 38 chances de gagner sur 2200 billets. Alors, c'est René qui est le gagnant du vélo cette année. Bravo! Je sais pas si René est en ligne. Oui, je suis en ligne. Vous m'entendez bien? On t'entend bien. Parfait. Oui, en fait, je suis un peu surpris. Je n'ai pas l'habitude de gagner ce genre de concours. Mais comme je l'ai dit tantôt, en fait, pour moi, cette année, c'était un peu spécial. Alors, je vous dirais, j'accepte. Merci, en fait, à De Rosa. Merci à Procure, évidemment. Et effectivement, chaque coup de pédale de ce nouveau vélo-là va être pour moi, en fait, un coup de pédale spécial pour Procure et pour mon beau-père. Alors, fort apprécié. Merci. Félicitations. Merci beaucoup, René. Donc, tu vas pouvoir choisir, tu ne vas pas pouvoir choisir la couleur, mais tu vas pouvoir choisir la taille. C'est déjà bon. Puis, je te mettrai en contact avec Léo pour la suite. Donc, félicitations. Normalement, il fait chaud, il y a de la bière, il y a de la musique, mais là, cette année, on est dans une salle de meeting, donc on fait avec. Ouais, effectivement. On met de l'ambiance quand même. Quand même, c'est vrai. Donc, je vais repasser la parole à Louis-François pour le dévoilement du montant final amassé. Vous m'entendez? Très, très. C'est le montant là. Hop, Laurent. Oui. T'es là. Super, Laurent. Ouais, il ne peut plus parler, mais je pense que les gens m'entendent. Donc, si les gens m'entendent bien, je suis très fier d'annoncer que 205 000 $ ont été amassés. Donc, c'est énorme comme montant. C'est avec beaucoup de fierté. Je suis très fier pour tous les cyclistes qui l'ont fait, pour tout ce point-là, qui est quand même un gros, gros défi en ce temps de pandémie. Donc, bravo, 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 bravo. Merci beaucoup à vous tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Non, hein? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Parfait. Merci, Louis-François. Oui, effectivement, 205 000 $ c'est une très grosse somme d'argent. Est-ce que c'est bon, le son, ou pas? Oui. OK. C'est une très grosse somme d'argent pour une situation en temps de pandémie. On s'entend que toutes les organisations qui sont en philanthropie ont subi des manques de revenus au cours du printemps. Beaucoup comme notre organisation, on a laissé la place aux banques alimentaires et de relever le défi de reprendre la campagne à l'automne, c'était risqué. C'était risqué dans le sens que est-ce que les gens étaient pour être là, et vous aviez vraiment relevé le défi avec brio. Pour nous, c'est extrêmement important. Des fois, on se pose la question, à quoi sert cette somme-là? Il faut comprendre que plus de 90% de l'argent est retourné à la cause. On investit dans sensibilisation. On a un site web qui accueille mensuellement 100 000 personnes. On offre aussi, tout le mois de septembre, on a offert des webinaires. Alors, ces webinaires-là sont visités par des hommes qui souffrent du cancer, mais aussi leurs conjoints, leurs conjointes et leurs familles, avoir plus d'informations. Alors, durant tout le mois de septembre, on avait des webinaires. On va en avoir au cours des prochains mois aussi. On a une ligne de soutien. Les hommes peuvent appeler, les familles peuvent appeler 7 jours sur 7. On a intégré depuis la COVID, le début de la pandémie, on a intégré le chat en ligne. Alors, c'est tous des services qui sont offerts gratuitement à la population. Malgré que nos revenus avaient diminué au cours du printemps, on a maintenu ces services-là, on a maintenu nos services à la population. Puis, évidemment, il y a eu au-delà de 5000 cas de cancer qui auraient été diagnostiqués durant la période. Et c'est des gens qui ne le savent pas encore, qui ont le cancer. On va se retrouver avec des cancers avec beaucoup plus de problèmes dans le futur. Alors, Procure est là pour offrir ces services-là. Votre contribution, votre sensibilisation nous permet de maintenir ces services-là, mais aussi de rejoindre des hommes qui, parfois, c'est encore un cancer qui est tabou, ne savent pas où aller, où se déplacer. Alors, Procure est là pour ça. Or, on est fiers de l'effort collectif que vous avez fait, et au nom du conseil d'administration, au nom de tous les hommes et leurs familles qui souffrent du cancer, on tient à vous dire un énorme merci pour cette campagne-là que vous avez réalisée, et au plaisir de vous retrouver en 2021. Merci et au revoir.